Là, on va parler de support sur lequel je peins, d'ailleurs sur lequel je travaille. Bon, là c'est Israël, on l'appelle aussi médium. Je prends du médium de 3 mm, 3 mm et demi. Voilà, donc bien sûr que je prends de très grandes feuilles, plaques, mais bon, ça c'est pas très important. Maintenant, je vais vous montrer comment on la prête pour peindre. Pour ça, on prend deux choses, trois, plusieurs choses. Blanc, peinture blanche acrylique, satinée, voilà, marqué, satin. Peinture blanche, satin, blanc cassé, c'est la même chose. Colle blanche pour bois. Et je prends aussi le colorant. Je prends toujours deux colorants, noir, l'ocre. On prend deux tiers de peinture acrylique satinée, un tiers de colle. Hop. Voilà. Un petit peu de colle. Hop. Jaune, ocre, on peut mettre beaucoup, relativement. Par contre, le noir, une toute petite goutte, vraiment toute petite goutte. Après, il faut diluer très fortement, on va voir les consistances et bien mélanger, bien mélanger, bien mélanger, bien mélanger. Pour les premières couches, il faut faire le plus liquide possible. C'est le pinceau neuf. Avant l'utiliser, mieux le mouiller pendant une heure. Ça vous savez, oui, pour qu'il ne perde pas les poils. Ah non, on ne savait pas. D'accord, parce que les poils se gonflent et ils ne tombent pas. Voilà. Après, on commence à prêter. Voilà. Comme ça. Bon. Sélection de boue. Moi, j'aime peindre sur le. On le fait dans un sens. Les premières couches, il est presque transparent. On peut faire un petit peu plus blanc. Mais moi, j'ai fait entre le blanc cassé, etc. Pour première couche. Après, il faut laisser sécher quelques heures. Et ça dépend du temps. Ou quelques. Une journée entière s'il fait pas très chaud, voilà, et rajouter deuxième couche à travers, troisième couche, quatrième couche. Il faut mettre en général 4-5 couches. Le support doit être ni glissant ni absorbant, voilà, donc c'est juste le milieu. Comment on le teste? Comment on détermine si c'était bien apprêté? On met un peu de couleur comme ça, un petit peu de peinture qui n'est pas diluée. Et on attend quelques heures. Si la peinture reste brillant, donc c'est bien. Par contre, s'il devient mat, donc on rajoute encore une couche. Voilà. Maintenant, si c'est très glissant, c'est pas bien du tout. Les peintures ne s'accrochent pas. Voilà. Donc, mieux procéder par les couches très fines. Mais nombreuses. On me demande souvent quel est l'avantage de peindre sur panneau par rapport à une toile. Je préfère peindre d'après nature. Et si on peint d'après nature, on a besoin des formats très différents et on ne peut pas prévoir les formats qu'il nous faut. Donc on a des moyens de couper les formats qu'il me faut. Je vous donne l'exemple de format de tableau que je fais. Ça, c'est le petit tableau vertical. C'est quelque chose inséparable de format. Vous ne pouvez pas voir ce sujet, par exemple, ce sujet en carré. C'est pas intéressant. Ni celui-là en horizontal. Le format, c'est quelque chose inséparable du sujet. Pour un petit format, par exemple comme ça, et je regarde 1,
Ce sujet, il sera bien dans ce format-là. Les compositions ont été faites. C'est vrai qu'il y a un peu découpé déjà, après. Mais si le format est prêt, on ressent mieux le sujet. Voilà l'avantage. Premier avantage, deuxième avantage, de travailler sur le support lisse, c'est absence de grains. Déjà pour les petits formats, les grains de toile, c'est pas très joli. En plus, dehors, on peint parfois par le ton humide. Donc le tableau, le toile se détend. Donc on ne peut pas peindre tout simplement. C'est comme un drapeau. Bon, mon père a travaillé déjà sur ce support-là. J'ai ce tableau qu'il a fait avant la guerre, dans les années 40. Il ne s'est pas bougé. D'ailleurs, on parle toujours toile, 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 toile. Mais il faut savoir que 99% de tableaux que vous voyez dans le musée sont faits sur les supports durs. Maintenant, comment on découpe les arènes? Bon, on prend le format qu'il nous faut. Par exemple, bon, là, je vais couper 20 cm. 20 cm. La règle. Bon, on doit avoir deux bandes en caoutchouc pour que ça ne glisse pas. Bon, c'est la règle spéciale, ça sent partout aussi, donc il n'y a aucun problème. Hop, on prend comme ça. On appuie assez fortement. On fait 1, 2, 3. Ça dépend de force. Et on dépasse. Voilà. Bon, il faut quand même appuyer assez fortement. Voilà. Et on les coupe. Voilà. Comment on fixe le support? Moi, je les fixe à l'aide de patins fixes. Vous savez, les patins fixes, c'est ce genre de caoutchouc, je ne sais pas quoi. Voilà. Quatre petits bouts. Et ça tient très bien. Bon, il y a des chevalets qui ont une sorte de crochet spécial. Mais pour moi, c'est gênant que je vois, si je ne vois pas mon tableau, même s'il y a quelque chose qui cache mon tableau, ça me gêne déjà. Je préfère le voir entier. Voilà. Votre tableau, pendant que vous travaillez, doit être au niveau de vos yeux. Toujours. Je vois souvent que les peintres travaillent comme ça, ou comme ça, au niveau des yeux. Si vous le placez sur votre chevalet, vous devez le voir comme ça. Crayon souple, c'est très pratique. J'utilise depuis déjà des années. Voilà, et c'est le crayon souple, ça sent partout. C'est le moins cher d'ailleurs, mais l'avantage est énorme parce que vous pouvez le faire tomber et ça ne se casse pas. Il touche souvent quand on travaille en plein air, tout tombe, on ramasse, ça tombe, mais le crayon se casse.